Coucou Sephora. Coucou. On est où? On est à H&M. Au début, on est allé à Claire's. On a pris des petites boucles d'oreilles cocktail. Oui. Pour moi, pour la rentrée. Sephora a choisi des boucles d'oreilles boba. C'est des boba tea. En dessous, il y a des boules, des perles de boba. Quand on était à Claire's. Tiens, tu remets ça dans le paquet? Oui. Tu me donnes le paquet, je le tiens. Oui. Alors, là, on est en train de faire des emplettes pour acheter des tenues de rentrée pour Sephora. Alors, j'aime bien cette salopette là. Avec un sous-pull et un pull en dessous. Ça pourrait être bien à Cherbourg, non? Et des boîtes à goûter comme ça. Ça t'intéresse Sephora? Ça? Oui. Oui, je le veux bien. Il est trop beau avec les petits lapins. Ok, bon, on va chercher ta taille. Oui. Oh, il y a même des comme ça, avec Léopard. Alors, on sort de H&M et on va où? Pour la rentrée scolaire, j'aime pas mon mère. T'en as marre? Bon, on repart à la maison alors. Je te prends pas des vêtements pour la rentrée scolaire si t'en as marre. Hein? Fais attention à la route. Allez. Eh, hey, ils ont mis des nouvelles portes. Bonjour. Waouh, c'est beau maintenant ici, dis donc. Il y a un sac là. Aaron, tu me donnes la main? Viens. Sauvageon. Allez, on va. C'est moi qui attrape le sac. Rayon fille. Oui, parce que je suis une fille et j'ai 7 ans. Vas-y, je te suis. Vous avez pas fini? Allez. Ah, t'as fait la dernière. Shopping. Et ensuite, on ira essayer aux nouvelles cabines d'essayage. C'est beau. D'abord, on va essayer les habits. À H&M, oui, on n'a pas pu te filmer en train d'essayer parce que bah, c'était interdit. Du coup, on va les essayer à la maison. On montrera tout directement ce qu'on a acheté à la maison. Et ce qui ne va pas, bah, on le redéposera. Alors, Sephora consigne. Il faut des vêtements qui puissent te tenir chaud quand on sera à Cherbourg. Donc pull, sous-pull, long, manche long, sweat, veste. C'est du 12 ans. Tu peux le laisser. Celui-là, ça te va ou pas? Oui. On prend plusieurs couleurs. Aaron, arrête tes bêtises. 12. Là, il y a le 12. Oui, ça me va bien, je suis belle. Ah, il est beau. Est-ce que tu veux un chat comme ça? Oui, je veux bien. Aaron, il vit sa vie. Soulève ceux qui sont là, s'il te plaît, en haut. Ceux au-dessus de ma main. Soulève un peu. Oui. La fille, on lui dit soulève un peu. Elle fait nawak. 12. Ah. Une autre couleur? Oui. Du gris? Du gris? On n'a pas encore de gris. Ah, on n'a toujours pas de gris. 12. 12. Avec un cœur, sister. Merci, oui, c'est bien. Maintenant. Deux pantalons. Les jeggings. Il y a un 12. Tu veux de la moutarde, du rose moutarde? Enfin, du jaune moutarde? On va prendre du 10 pour essayer. Ceux-là, on va les essayer. Ceux-là, on prend en 10 et tu les essayeras. Ça devient de plus en plus. Faut trouver ta taille. 31, on peut essayer ou pas? 31, c'est pas ta taille. Il te faut du 35, toi. 35? Oui. Mais si tu trouves du 35, tu peux prendre pour essayer. Dis donc, j'ai des gros pieds, moi. Ça. Taille, là. 34.
35. On les met dedans, tu vas les essayer. Oui, j'aimerais trop les avoir. C'est trop belle, en plus il y a des étoiles dessus. On a déjà pris salopette et tout ça à H&M. Ah, il y a des sweats là. Aaron. Ça se dit pas sweat. Sweat, c'est quand il y a deux E qu'on dit I. Quand il y a EA, on dit E. Sweat. Dépose les chaussures. Dépose. C'est moi qui travaille ici pour ranger derrière toi. C'est ça, c'est ce que tu appelles des sweats. On dit pas sweet. Quand il y a deux E, on dit I, sweet. Okay. Mais quand il y a EA, on dit E, sweat. Ouais. C'est ça la règle en anglais. Quand tu dis sweet, c'est des sucreries. Si tu dis à un américain ou un anglais, I want sweet, je veux, toi tu vas croire que tu dis je veux des pulls, mais lui il va comprendre des sucreries. I want sweet. C'est pas des sweets, ce sont des sweats. Ah, du coup, ça veut dire bonbon. Si tu dis sweet, je veux des sucreries. Mais là, c'est pas des sucreries, ce sont des pulls, des sweats. Bon Dieu, ce qu'il faut pas qu'on explique. Alors, en plus, ils sont pas chers, ils sont à 6 euros. On va prendre un rose, on regarde en 12. Si tu trouves du 12 ans, tu prends. Alors. Oh là là. Je vois pas de 12 ans. Pose le sac si tu veux. Il est où quand même? Tiens, là il y a du 10 ans. On cherche du 12 ans. Ça doit être derrière. Ah, 12. Pour être sûr que ça va t'aller. Ça va bien t'aller. Alors on a rose, on prend un noir. Il n'y a pas de noir, on prend bleu foncé alors. Bleu foncé, oui, je veux dire. Bleu foncé, c'est trop bien. Et voilà du 12. Encore du 12. Merci, jeune fille. Oh, il a plein de poussière. Pourquoi il a plein de poussière? Parce qu'il était sur l'étagère, tout en bas. Après, est-ce que tu veux couleur lavande? Quoique, au lieu de prendre plusieurs sweats, même modèle, on va plutôt prendre des gilets aussi. Qu'un truc comme ça, ça t'intéresse? En quelle couleur? En noir. Noir? Tu cherches du 12. J'ai 7 ans, je porte du 12, c'est bizarre. 10. Ça, c'est du 10. 10. Non, c'est pas. Ah, si. 12. J'ai trouvé pile poil. Ah, ouais. Quand on dit on sait pas, c'est le 12. On prend le 12 et on prend le 10 aussi. Au cas où, si le 12. Il est trop gros. Voilà. Aaron s'occupe comme il peut. Et le magasin est pratiquement vide, comme vous pouvez le voir. Donc, on se fait plaisir. On peut filmer tranquillement. Voilà. La fille qui ne sait pas arranger son manteau. Ferme pour voir. À Cherbourg, il pleut souvent. Il y a beaucoup de vent marin parce qu'on est au port, quoi, au bord de la mer. Avance par là-bas pour voir. Ouais, non, il est moche. Il est moche. Enlève-le. Aaron, ramasse. Repose là-bas où tu l'as jeté. Dépose. Sauvage, on met sur le cintre. Bon, on a trouvé le rayon des gilets. Et là, du coup, il y a du noir. Du coup, tu vas pouvoir prendre en taille 12. 12, 12, 12. Parce que c'est 12. Ouvre-le. C'est du 12. Un gilet taille 12 ans. Parfait. Mets-le dedans. Ah oui, c'est un de plus en plus. Et ils sont à 10,99€. Ta connerie, ouais, ils sont à 7€. Qu'est-ce que tu racontes là? Viens-moi, cette meuf là, t'es éclatée toi. Viens là, Ron. Tu payes 100,99€. Ah ouais. Voilà pourquoi. Eh non. Viens, je vais te trier un balai. Ah oui, des leggings aussi, pour que tu sois à l'aise à la maison.
J'avais oublié qu'il te fallait des leggings pour être à l'aise à la maison. Tiens, des petits leggings pour être à l'aise à la maison. Ah oui, comme ça, je suis tranquille. What? Et puis, maintenant, dans le sac. Ah, maman, là, on est sur le thème du noir, là. Oh là là. Non, non, sois. C'est tellement long. Merci. Je veux bien, mais... Même pas, c'est écrit dessus là, mais on voit même pas. C'est taille 8 ans. Et ça, ce legging là. Celui-là, c'est taille 8 ans, regarde. 8. C'est ça, c'est taille 8, 10 ans. Attends, je te... C'est du 10 ans. Ouais, du 10. Tu vas essayer, mais je crois qu'il te faudra du 12 ans. Hein. On prend tous les leggings en 10 ans pour l'instant. Tu vas essayer un seul. Et si c'est trop petit, on viendra tout échanger. Est-ce que hein, comme ça, ça t'intéresse? Ouais, elle est trop beau. Il y a 12 ans là. Il y a 12 ans. Ouais, mais c'est pas le même motif. C'est moi, je l'ai. Ah, c'est beau ça, regarde. C'est déjà une couleur rose, Sephora. On va pas prendre deux roses. Oh, mon dieu, qu'est-ce qui me fatigue celui-là. Ramasse. C'est pas moi qui vais ramasser tout. Donne à maman. On va essayer. Ouais. Bon, vas-y, ta cabine. C'est bien maintenant, comment c'est beau. Je suis choquée. À Kiabi maintenant, il y a des bornes de recharge. Genre aux carbines d'essayage là. Pendant que les autres essayent, on peut faire recharger notre téléphone avec juste le câble USB. Tout ça, c'est pour Sephora. Sephora, bien peut essayer. Brassière. Donne-moi le Smarties, je prends. Encore une brassière. Un lot de culottes. Vas-y. Un lot de culottes. Un pyjama. Un deuxième pyjama. Je fais une brassière. Un lot de culottes. Parce que ça, si maman a jeté, ça, j'ai pas... si, vas-y, essaye. Essaye si on regarde si c'est bon. Si, si c'est bon, j'ai encore c'est le ticket de caisse. Voilà. Faut aller changer. Mais je crois que les sous-vêtements ils acceptent pas les échanges. Hein. Mmh. Ça touche trop de fluide corporel, les mmh. parties intimes. Ils n'acceptent pas. C'est pour rien ici. Tu n'arrives même pas à mettre un truc. Ça, c'est une robe. Elle a pris plein de choses. Je t'ai dit, j'étais au téléphone avec Doudou en visio. J'étais assise comme ça, allongée. Elle est venue derrière moi. Elle m'a fait un câlin. Il n'a pas vu la tête. Hein. Il a juste vu le corps, le torse. Il a dit, c'est qui le garçon avec toi là? C'est vrai, elle se baisse, dit, coucou papa. Il a fait, hein? Trop grand même. Là, c'est à combien? 8 ans. J'ai pris plein de sous-pulls parce qu'à Cherbourg, il y a beaucoup de vent, il fait frais. Tu as vu les pulls, non? J'ai pris 12 ans. On plie ici, là, ça passe. C'est un petit peu large. J'ai dit, c'est bon. Il faut que ce soit large. Ouais, habille-toi bien comme une fille. Regarde comment tu tires la culotte. Encore un autre pyjama, là. Regarde. Moi, t'as peut-être fait ça. Tu ne fais pas bien, regarde, tu t'habilles, c'est ici. Prendre le sac, des chaussures, voilà. Un ou deux manteaux. C'est bon. Tu vas essayer tes habits, parce qu'on n'a pas tout essayé. Hein. Par exemple, là, j'ai pris plein de pantalons comme ça. Là. Okay.
Le plus petit, j'ai voulu prendre le plus petit, mais quand j'ai regardé, je fais, c'est trop petit. Ça, c'est H&M. Ça aussi. Après, le crâne. C'est beau. Les brassiers, on a la culotte là. H&M, c'était pas cher, hein? T'as vu? Avec plein de. Il y a eu plein de machins, plein de réductions. Ça, on a pris. À 6 euros. Ça, la salopette là, 30 euros. Il n'y avait pas de réduction, mais j'ai pris quand même. Mais mets bien le truc en face le truc. J'ai pris des boxeurs pour Sephora. Parce que culotte, des fois, ça coupe la fesse en deux. Pour me passer le pantalon bien en face de toi. Et quand tu t'habilles, regarde un peu même au miroir de la télé. Ça, c'est la télé de Sephora qui est descendue. Regarde un peu si ton pantalon est droit en haut. Il y en a d'autres que je vais quand même prendre sur le site. À tes souhaits. Ok, pitié. Même ça. À la base, je voulais pas prendre, mais je suis passée à côté. 4 euros. J'ai pris, regarde comment c'est. Mais c'est pour acheter, pour moi, je ne sais pas. Est-ce que tu as juste tiré ça là-bas? On voit même les deux petites lèvres qui sont séparées comme ça là. Regarde, yeah, même ça. Regarde, regarde les lèvres de ta fille. Hein? Tu laisses lever. Les chaussures. Alors, Kiabi, on en a eu pour. J'ai eu ma réduction, Kiabi. Normalement, ça devait faire 122 euros. J'ai eu une réduction de 15%, ça m'a fait 104 euros. Et à H&M, ça m'a fait 83,07 €. Arrête de gonfler ton ventre. Hier ou avant-hier, je suis partie à Auchan. Et en me promenant avec Tata Sidonie, je suis passée rayon chaussures. Du coup, j'ai pris ça, enfin j'ai complété 2-3 chaussures pour Sephora. Comme je sais qu'elle bousille tout le temps ses chaussures, elle les gratte. Elle gratte ses pieds comme ça souvent. Ça sert à rien que j'investisse dans des chaussures hyper chères. Du coup, les chaussures, je les prends soit H&M, Kiabi ou Auchan ou Carrefour, des trucs comme ça quoi. Donc là, j'ai acheté celles-ci. Elles étaient à 7,99 €. Des petites ballerines à sangles qui sont pailletées. J'ai aussi acheté ces bottes-là avec fermeture, comme vous pouvez le voir ici. Des petites bottines. Elles étaient à 9,99 € à Auchan. En taille 35. Hein. Toutes les chaussures sont en taille 35. Et en dernière paire de chaussures pour Sephora, j'ai pris... ça. Souvent, elle a des. Elle sait faire ses lacets, elle sait attacher les lacets de ses chaussures. C'est elle d'ailleurs qui lace aussi les chaussures de ses copines à l'école. Mais là, pour aller plus vite, parce que certains matins, elle est en retard, elle prend toujours du temps. Du coup, je lui ai pris une paire de baskets à scratch en taille 35. Et cette paire était à 9,99 € aussi. Voilà. Elle a aussi des chaussures de marque, hein, pour vous rassurer. Elle a aussi des chaussures de marque. Elle a des Vans, elle a des Jordans, elle a des Converse. Mais pour les chaussures de tous les jours pour l'école, comme je sais qu'elle les craque souvent, je prends aussi des pas chères. Et un petit coupe-vent. Je crois que c'est un coupe-vent veste. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Et je l'ai pris à Auchan, c'était à 10,99 €. C'est un manteau comme ça. Et l'intérieur, c'est tout fin, hein. C'est vraiment un coupe-vent. Mais c'est à mettre avec un sweat ou un pull. L'intérieur est rose. Du coup, ça, que j'ai pris à Auchan, parce que je suis passée dans le rayon, je l'ai vu et j'ai craqué, je l'ai acheté. Parce que j'avais envie de le prendre. Et son vrai manteau d'hiver, je le prendrai à Zara parce que j'aime... prendre, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas cette marque, qui n'aiment pas Zara parce qu'il y a une controverse là-dessus, mais moi c'est pas mon problème quoi. Je sais que la qualité j'aime bien, du coup la qualité des manteaux pour les enfants. Du coup j'achète souvent les manteaux, le vrai manteau d'hiver de Sephora, toujours à Zara. Voilà. Oui, là on est encore dans les cartons, on n'a pas terminé. Là, comme vous pouvez le voir, les petites bouteilles là, c'est Aaron. J'ai laissé 2 paniers là, exprès, pour quand je fais des vidéos. Aaron prend souvent les bouteilles, tout ce qu'il trouve sur le comptoir et il les met
un peu partout dans la maison. Là, il y a un de ses bibis qui est vide. Là, il y a un papier toilette qu'il a pris aux toilettes. Bref, il fait n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Et Sephora qui a décidé de squatter ma chambre cette nuit. Du coup, elle a dormi là, dans ma chambre, dans le coin. Voilà. Aujourd'hui ou demain, j'irai à Zara chercher un manteau pour Sephora. Vu que je vais redéposer Tata Sidonie à Tours demain. Donc voilà. Là, je pense qu'il manquera un cartable, mais elle a encore son cartable de l'année dernière. Je vais voir s'il n'est pas trop en mauvais état. Sinon, je lui reprends un cartable. En chaussures, elle a ce qu'il faut. Elle a ses Vans. Elle a ses Jordans. Elle a ses Converse. Elle a aussi d'autres paires de chaussures qui vont encore. Là, c'était juste qu'à la rentrée, j'aime bien prendre 3 ou 4 paires de chaussures. Voilà. Et voilà le propriétaire de la maison qui ouvre la porte. Et qui ramène encore 2 autres bouteilles. Voilà, c'est toujours ce qu'il fait. Ça va, Ron, je te dérange pas, là? Non, je te dérange pas? Il fait ses conneries. T'as fini ton travail? Ça rentre pas, alors il se barre. Voilà.